Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo sur Fortnite Battle Royale, donc d'un nouveau concept qui a été proposé par la communauté Reddit, donc un concept qui permettrait de customiser les skins de nos armes. Alors là je vous mets à l'image une press screen du concept de Reddit, donc de la communauté Reddit. Donc on peut voir sur cette image qu'on voit la Scar H avec un skin tout simplement le Golden Camo, donc qui est vraiment stylé, franchement je le trouve vraiment bien. Alors on peut voir aussi en haut à gauche de l'arme level 8, donc 620 sur 840 à XP. Donc en fait on débloquerait des camouflages en fonction des levels, donc là le Golden Camo ce serait le camouflage du level 8, donc voilà. Alors en haut à droite, en dessous de Golden Camo Scar, il est marqué level 8 sur 25, donc il y aurait 25 levels par arme. Donc c'est un peu beaucoup, mais voilà, c'est totalement réalisable. Surtout avec une Scar H, c'est totalement réalisable. Avec les M4 aussi, Sniper, ça peut aller aussi. Après, ce qui serait dur, c'est avec genre la Gatling, enfin, la grosse batteuse, les petites mitraillettes. Avec aussi le Magnum, enfin le Colt. Ce serait pas évident du tout de faire 25 niveaux d'armes de ces armes-là. Bien sûr, ça dépend avec les joueurs, hein, parce qu'il y a des joueurs qui utilisent que ça, il y en a d'autres qui n'utilisent jamais, tu vois. Donc voilà, après c'est pas obligatoire d'aller jusqu'au niveau 25, mais pour avoir les meilleurs skins je pense que ce serait mieux. On pourra aussi personnaliser la couleur de la ligne de mire, donc de notre mire, et sûrement si on n'a pas envie de mettre de skin, on pourra sûrement personnaliser la couleur de notre arme bien sûr. Alors on pourra aussi peut-être créer son emblème, donc à son image, donc par exemple son logo de sa chaîne YouTube. Si jamais vous avez une chaîne YouTube, donc voilà, ça peut être bien aussi, ou même créer son propre logo que vous voulez. Alors, on pourra peut-être mettre aussi des effets d'armes. Donc, s'il y a des effets d'armes, je sais vraiment pas comment ça va être, parce que s'il y a des effets de lumière, genre des lumières un peu fluorescentes comme ça, ça risque de pas vraiment être cool, parce que justement, de loin, après, vous allez être fort voyant. Donc, vous allez être une petite lumière qui clignote en plein milieu de la map, c'est obligé qu'on va vous capter, hein. Donc je sais pas s'ils vont nous mettre des effets animés et lumineux, mais peut-être qu'ils vont nous mettre des effets tout simplement assez mat et assez discrets, donc ça pourrait être cool. Ou alors ce serait fort voyant sur notre écran, mais pas sur leur écran. Après c'est sûr que quand on va personnaliser le skin de notre arme, comme c'est une vue en troisième personne, notre arme on la voit pas spécialement tout le temps. Donc c'est pas ouf non plus de rajouter ces skins, mais c'est quand même un plus que Fortnite pourrait très bien faire, parce que H1Z1, donc je n'ai jamais joué à ce jeu, mais je sais que sur H1Z1, on peut personnaliser les skins de nos armes. Alors c'est Valentin qui me l'a dit ça, donc voilà, dédicace à toi poto. Alors il faut savoir que dans H1Z1, comment ça se passe? En fait tout simplement quand vous ramassez une arme, l'arme que vous allez ramasser, en fait vous allez appliquer son skin. Alors ensuite quand vous aurez appliqué son skin, elle vous appartiendra entre guillemets, mais si vous mourrez, le skin sera appliqué à cette arme. Donc si quelqu'un vous tue et puis ramasse cette arme, normalement il aura le skin de votre arme, donc votre skin. Donc après ce qui peut faire aussi, c'est genre fait flèche de haut, il va sur son arme, il appuie sur R3 par exemple, et là ça change le skin et ça met son skin à lui. Donc ça, ce serait sûrement une supposition de comment ça va se passer quand s'ils mettent bien sûr le mode customisable sur Fortnite Battle Royale. Donc si on peut customiser nos armes, c'est comme ça un peu qu'ils vont faire les choses. Je suppose, hein, bien sûr, je compare à H1Z1. Et franchement, ce concept serait vraiment bien aussi pour Fortnite, enfin pour Epic Games, parce que s'ils nous mettent des skins d'armes qu'on doit débloquer avec des levels, ils vont sûrement, même c'est sûr et certain, ils vont nous vendre des skins dans la boutique. Donc on pourra acheter des skins avec des V-Bucks et ça, ça va leur rentabiliser leur jeu encore plus que dans le temps, enfin que maintenant. Donc je pense que c'est vraiment un super bon concept qui va vraiment arriver sur Fortnite très prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous trouvez que c'est une bonne chose ou si ce serait inutile. Je pense qu'on va tous être d'accord que c'est quand même une bonne chose. S'ils le mettraient, ce serait quand même mieux. En plus, ça donne toujours des nouveautés. Et comme ils cherchent tout le temps des nouveautés, je trouve que ce serait un bon concept à faire. Comme ils sont à la recherche de nouveautés, ils nous demandent même à nous de créer des skins et qu'ils nous récompensent et tout. Ils font des concours et tout. Donc, je pense qu'ils sont vraiment à court.
peut-être pas à court d'idées, mais ils recherchent un maximum d'idées pour faire de leur jeu un maximum actif, pour le rendre un super maximum actif. Donc voilà, je pense que c'est un super bon concept de la part de Reddit. Je pense qu'il fera sûrement son apparition tôt ou tard sur Fortnite, parce qu'en plus c'est Fortnite, j'ai vu ça sur Fortnite Intel. Donc je mettrai le lien en description, bien sûr. C'est un site internet qui met beaucoup d'informations sur Fortnite et que sur Fortnite. Donc franchement, c'est vraiment un bon site. Je vous invite vraiment à aller le voir et à le mettre en favori si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. N'hésitez surtout pas à commenter aussi, à partager aussi un maximum sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.